Salut à tous, c'est Nokia 87 et bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo. Donc voilà, aujourd'hui, petit test encore avec la caméra Waterwolf, donc on est à la maison. Donc le but est de mettre en concurrence des pop-up neutres de différentes couleurs pour voir laquelle marchera le mieux. Allez. Sans amorçage, je décide donc d'utiliser du pelé végétal pour essayer de faire venir un petit peu les poissons sur la zone désirée. Ça a fonctionné, hein. En raison d'une eau très froide, les poissons sont quand même venus en nombre sur le spot voulu et le balai a pu démarrer avec une multitude de touches sur différentes couleurs. Je vous laisse regarder. Thank you.
Nous sommes en hiver, sur un plan d'eau d'un hectare plus facile certes, pour avoir des résultats concrets vu le grand nombre de carpes. Mais j'ai pu constater à la longue que ce soit en rivière, lac, fleuve ou étang, que la bille neutre ou artificielle fonctionne très bien, sur n'importe quelle saison. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que tout fonctionne, avec plus ou moins d'attente selon le spot, la saison et l'éducation des poissons. Mais à quel prix? Personnellement, comme tout le monde, j'ai eu acheté des billes de grande marque. Et je n'ai pas forcément eu plus de résultats qu'avec des billes maison ou neutres. Donc que peut-on retenir de ces images? Eh bien c'est simple, un amorçage précis, en petite quantité, avec une taille d'appât adaptée et une couleur fluo, égayera vos pêches.